Je m'appelle Christelle, je suis journaliste et on m'a demandé de tester pour vous. Cette fois-ci, je me remets au sport après des années d'hibernation. Je sens que je suis essoufflée quand je monte les escaliers. Je me sens crevée souvent et j'ai du mal à récupérer. Donc là, je me reprends en main. Du coup, j'ai décidé de faire appel à un coach pour me donner un petit coup de pouce. Allez, c'est parti. J'ai qu'une hâte, c'est aller la réveiller un petit peu. Allez, venez avec moi. Christelle ? Christophe. Enchantée. Comment tu vas ? Je t'attendais. Eh ben, super. Je suis complètement à fond. Je sais pas si je vais l'être longtemps, mais... Allez, on y va. Je te propose une petite parenthèse. On va se tourner face au lac. On va descendre dans les jambes et on va effectuer un petit travail de pas chassé à droite et à gauche. Allez, t'enchaînes. Je te coach. Voilà, hop, on descend et tu repars de l'autre côté. Alors bien dans les jambes, descends bien. Attention à ne pas tomber dans le piège de ne pas laisser le dos partir en avant. Le dos bien droit. On plie. Allez, Christelle, allez. On va attaquer avec l'exercice numéro 2. Les genoux et les pointes de pied légèrement tournés vers les extérieurs. On va fléchir les jambes et lorsque l'on remonte, on remonte avec les bras au-dessus de la tête. Allez, c'est parti. 15 répétitions. Alors très important, quand on descend, on ne laisse surtout pas les genoux aller vers l'avant. Voilà. Et lorsque vous arrivez en haut, on cherche en plus à serrer les fessiers. Faut descendre plus bas ? Non, on descend pas trop bas. J'ai jamais les fesses en dessous des genoux. Ça, c'est super important. Ça va toujours ? Ah ben là, ça va, parce que je suis avec toi, mais imagine, tu fais ça toute seule face au lac. C'est plus difficile. On a stimulé le cardio, on a fait la partie renforcement musculaire, membre inférieur. Ouais. Comment ça va jusque-là ? Ça va. Jusque-là, ça va. Jusqu'en bas. Je me sens un peu faiblard d'en haut. Eh ben écoute, très bien. T'as anticipé ou tu l'as vu venir ? On va partir avec les jambes écartées, ouais. On va stimuler un peu le haut du corps. On va effectuer des petits cercles, voilà, avec les bras. Alors, toujours, même consigne au niveau des abdos, on pense à bien contracter. Le dos bien droit pour avoir une bonne posture. Les épaules abaissées, très importantes pour protéger justement l'articulation des épaules. Très important de mettre un bon soutien-gorge aussi. Également. Et des petits cercles. Alors, on va prendre le temps, on va apprécier justement le travail en essayant de sentir les omoplates qui se rapprochent, pour stimuler le trapèze, le muscle. Ça fait un massage des omoplates. On va se détendre, Christelle, on peut pas mélanger. Tu vas dire doucement. Tout doucement, voilà. Alors plus vous tournez les bras au-delà de la ligne d'épaule, plus le travail est efficace. Ah on oui. prend le temps, voilà, on accompagne son exercice. Là, c'est le grand écart des bras. C'est le grand écart des bras. Je vais t'inviter à t'asseoir. Ah oui, d'accord. On va parler de travail, de véritable exercice. Christelle, bien stable au niveau de l'assise, au niveau des appuis. On va placer les poings au niveau des épaules en serrant les poings. Le dos bien droit. Consigne très importante, encore une fois, les épaules abaissées, les abdominaux serrés. Et à partir de là, on va développer les bras vers le haut et vers l'avant. Voilà. Et bien évidemment, ça ne peut pas être que facile. Christelle est une athlète. Je vais en profiter un tout petit peu. De haut niveau. Je vais créer une résistance, Christelle. Allez, c'est parti. Aïe, ah, c'est plus pareil. Là. Allez, Christelle. C'est pas le moment de sombrer. Sinon, je t'emmène à l'eau. Hein. Dis-moi que demain, j'aurai des bras magnifiques. Demain, tu auras des bras magnifiques. Et après-moi encore plus. Allez, Christelle, lâche pas. Ah, mais tu crois ou pas, je crois que j'ai un point de côté. Un point de côté sur les bras? Non. Tu l'as jamais fait ça. Mais je serre le ventre là en même temps que je fais ça. Allez, souffle bien. Et la dernière. Oh, lâche. Parfait. Comment ça va? C'est plus dur pour moi. Hein. Les bras sont difficiles. Ouais, c'est plus difficile que le reste. Et la course à pied? La course à pied, ça va. Ça va, et bien ça tombe bien, on est prêts. Bon, comment ça va, Christelle? Il paraît, moi j'ai vu qu'il fallait faire 10 000 pas par jour, je pense que là on est au top. Hein. Là on est bien, j'attends de savoir comment tu vas progresser, mais pour une première c'est bien. Aussi. Après il y a plein de choses qui rentrent en jeu justement, la posture, le placement, la technique, l'accompagnement de l'exercice. Je baisse les épaules, je me tiens droite. Voilà exactement, serrer ses abdominaux. Je rentre le ventre. On rentre le ventre, on ne verrouille pas les articulations, il faut rester relativement souple. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait cette semaine hein, en attendant ton prochain cours hein. Alors si on peut, on reprend le même type d'exercice, de la marche ou un peu de course, ou les deux en alternance, on alterne, ça c'est important. Tu fais ça avec mon chien. Travailler, très bonne idée. Tu fais la sortie du toutou au bois ou en forêt. Encore deux fois cette semaine. Merci, cri-cri. Et écoute, parfait, bon travail. Je t'attends la semaine prochaine. Hein. On finit par marcher un petit peu, ce qu'on appelle la récupération active. D'accord. On va décompresser et puis la semaine prochaine on remet ça. Ça marche? Ouais. Allez, c'est parti, viens, on marche. Rendez-vous. Bon.